Cette année, le prix est attribué au projet Il, Elle, singulier mais pluriel, des ententes porteuses. Ce projet a été développé avec l'Académie Grenoble, la DAC de Grenoble et les deux lycées, Louise Michel de Grenoble et Gaspard Monge de Chambéry, qui sont avec nous aujourd'hui. Le réseau de partenaires se compose également de la Maison de l'égalité femmes-hommes des Chirolles, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la DRAC, du réseau Canopée 73 et du théâtre des Prunier Sauvages. Les associations Little Walk of Fame et Blic Photographie, ainsi que la compagnie Ruelle, ont participé au montage de ce beau projet. Alors, ce projet a permis aux lycéens d'éprouver la question notamment du sexisme, de l'individualité, de la pluralité des genres, pour se forger une opinion et transmettre des valeurs à travers divers supports artistiques, et notamment la photographie, les arts plastiques et le théâtre image. Alors, je vais laisser la parole encore une fois à celles et ceux qui parleront mieux que moi de ce beau projet, à savoir trois lycéens qui y ont participé. Je crois que Serena, Iram et Jordan sont avec nous aujourd'hui pour témoigner de ce beau projet. C'est à vous. Bonjour, moi je suis Serena, je suis en première SPVL, service de proximité de vie locale. Et avec la classe de première de Monge de Chaudonnerie, on a mis en place le projet Il, Elle, singulier mais pluriel. Pour nous, il signifie qu'on a une propre personnalité propre à nous, mais qu'on vit en communauté et que chacun peut s'apporter eh ben, différentes choses. Et on a mis en avant les inégalités à travers le sexisme. Par exemple, une fille qui dit ta gueule, c'est moins joli dans la bouche d'une fille que d'un homme. On a tendance à la reprendre plus facilement qu'un homme. Et un homme qui peut être complexé par son physique. Donc, on a mis en avant tout ça. Le complexe. Bonjour, moi c'est Ikram. Ce projet, on a commencé à le réaliser en faisant un film à l'aide de smartphones pour nous montrer qu'on n'est pas obligé d'être professionnel pour pouvoir le réaliser avec des caméras, etc. On est tous capables de pouvoir réaliser ça. Cette vidéo nous a mis en situation. A mis en situation des scénarios sexistes avec Monsieur Benjamin Lapierre, Little Walk of Fame. Après, on a ouvert des débats avec la classe de garçons du lycée Monge sur ce qui est le sexisme, l'égalité femmes-hommes. Et on a ouvert des débats. On a eu quatre échanges sur le théâtre Images avec Julie Arménio au Prunier Sauvage, au lycée Monge et au lycée Louise Michel, ainsi que l'atelier photo avec Loïc Xavier, Blic Photographie. On a mis en scène des situations oppressantes. Toutes ces rencontres elles nous ont apporté de la richesse et cela nous a permis d'être exposés au Festival de Arles avec Canopée qui nous ont aidés, avec le lycée Monge. Et on va laisser la parole au lycée Monge pour qu'il vous explique le projet avec le cadre qu'ils ont fait. Donc, notre projet parle des inégalités femmes-hommes afin de dénoncer le sexisme pour participer aux rencontres de la photographie d'Arles sur l'opération des clics et des classes. Pour cela, notre professeur d'art appliqué nous a dit qu'on allait travailler avec un autre lycée de Grenoble où les filles sont en supériorité numérique, car chez nous, il n'y a que la testostérone. Au début, on ne se connaissait pas, c'était un peu timide. Mais grâce aux activités proposées par la Maison de l'égalité, on a brisé la glace. Et tout s'est passé dans une ambiance détendue. À l'aide de débats et de dialogues, on a mis en place des scénarios qui dénonçaient le sexisme et les inégalités diverses. Après s'être entraîné à l'art de la photo, on a mis en place nos idées.
Les cadres cachés que nous avons réalisés marquent une partie précise de la photo et permettent de pousser la réflexion au-delà du premier regard. Les cadres sont réalisés en tôle d'acier S235. Une partie est pliée et le cachet soudé. Nous espérons qu'ils seront en forme place, en bonne place, aux rencontres d'armes. Au final, le projet nous a apporté de nouvelles rencontres et une vision différente de la femme dans la société, dans la nouvelle génération. On est fiers de notre travail et fiers d'avoir gagné le prix de l'audace. Et on espère que notre projet nous emporte au bout du monde. Merci. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, félicitations. Bravo, un très très beau projet aussi. Merci beaucoup.